Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour continuer notre let's play sur Attack on Titan 2. Et je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé parce que j'ai, comme vous pouvez le voir, bah, je suis pas là où j'étais dans la dernière vidéo. Et c'est tout simplement parce que le record a plante, voilà, je sais pas pourquoi mais le record a plante. Et du coup j'ai fait deux missions sans, voilà, donc il y a deux missions en moins quoi. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé, comme dit, ça a plante, j'ai pas compris pourquoi, j'ai juste pété un plomb, voilà, clairement, je vous le dis. J'ai juste pété un plomb, mais je veux quand même vous expliquer ce qui s'est passé pendant, pendant ce record qui malheureusement, vous ne verrez jamais, quoi. Donc, après avoir affronté le titan féminin et tout, j'ai décidé de partir tout seul en direction de la forêt pour savoir où étaient Levi et les autres. Pour pouvoir les prévenir qu'il y a un titan féminin qui est probablement à la recherche des reines. Du coup, j'étais parti en solo pour les trouver. Et ensuite, quand on est arrivé dans la forêt, c'est là où ils ont fait une opération pour capturer le titan féminin. Donc, ils ont réussi à capturer le titan féminin. Mais le titan féminin a hurlé. Et en hurlant, ça a attiré plein de titans. Et les titans ont fini par bouffer le titan féminin qui par la suite a du coup réussi à s'enfuir quoi. Enfin voilà quoi, pour eux qui connaissent l'animé, vous savez ce qui s'est passé quoi, mais voilà, pour eux qui connaissent pas, je suis vraiment désolé parce que c'était vraiment hyper intéressant, il y avait des cinématiques sympathiques et tout. Mais voilà, le record à plante, malheureusement, il n'y aura pas ces moments-là dans le let's play quoi. Et donc on va tout de suite continuer l'aventure. Donc maintenant que la mission a été un échec, la mission de capture a été un échec. Eh ben, Erving a demandé le repli de toutes les unités. Mais si vous connaissez l'animé, vous savez qu'il va se passer quelque chose de très très chaud, de très très hard, hein, clairement. Et donc, c'est parti, on va vivre ça ensemble. Et là, j'espère que le record va pas faire chier parce que la scène qui va arriver là, elle va être vraiment, mais vraiment, vraiment violente. Donc, c'est parti, tout est prêt de ton côté? Oui, c'est parti. Bien, allons-y. Donc ouais, vraiment désolé les gens. Après d'un autre côté, c'est pas ma faute. C'est le record. Je sais pas pourquoi il a pas marché, la plante. Mais voilà, vraiment désolé, hein, que vous ayez raté du coup ces moments-là qui étaient hyper importants. Mais là, on va pas se mentir que le moment qui va arriver là, la scène qui va arriver là, c'est quand même une des plus importantes de toute la saison 1, hein, clairement. Une des plus importantes. Et surtout une des plus violentes, clairement. Donc c'est parti. Erwin, pourquoi Levi a été récupéré? Il n'y a pas de temps. Le Megata a été mangé. Mais, tu as vu le contenu de l'intérieur? Je ne l'ai pas vu. Mais, c'est vrai. Ah, tu as dit avant que tu as dit le contenu de l'intérieur. Tu as dit le contenu de ある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体機動装置をつけていたとしたら、メガタの中にいた奴は今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えると、できそうもないって結論付けたはずでは？ 装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。メガタの巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず、作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。 あの敵を出し抜くためにも発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長？いや違う、誰だ？ Thank you.
Ça y est, le massacre commence. Le titan féminin qui d'abord en forme humaine. Attends, chapitre 3, épisode 5, choix et conséquences. Qui d'abord en forme humaine tue Gunther, un des membres de l'escouade Levi. Et qui là maintenant se transforme. Et donc c'est parti les gens. Comme je vous l'ai dit, là maintenant les scènes qu'il va y avoir, ça va être violent. Et comme dit pour eux qui connaissent, vous savez vraiment de quoi je parle. Donc voilà, c'est parti, là, combat contre le titan féminin. Et en plus, comme dit, je fais partie, les gens. Je fais partie de ce combat. Et du coup, c'est juste incroyable. Ah, on peut pas la tuer. Il faut juste escorter Eren. Mais on peut pas la tuer. Mais attends, mais du coup, on s'en fout d'elle, non? Nous, on s'en fout d'elle. Nous, il faut qu'on escorte Eren. Donc c'est parti, on y va. En plus, il y a un mec qui a besoin d'aide. Mais ouais, là, c'est là vraiment que les choses sérieuses, on va dire, vont vraiment, vraiment commencer, là. Avec, du coup, ce titan féminin qui tue un des membres de l'escouade Levi. C'est pas n'importe quoi, quoi. Et une fois de plus, ça fait grave plaisir de voir notre personnage qui fait partie de cette scène. Franchement, quand j'ai vu la vue à la première personne et quand j'ai vu que c'était nous... J'étais hyper content, je me suis dit, ah ouais, même là, on a le droit d'être, on a le droit de participer à cette scène. Et ça a fait grave plaisir, quoi. De participer à cette scène et de défendre Eren avec les autres, c'est grave stylé, quoi. Et donc c'est parti, il va m'attraper. Attention, hein. Oh merde, y a les titans sur Eren. Alors vite, on va y aller. Là, le mec, il a réussi à mettre sa base. Ouais, ouais, vite, vite. Oh putain, Eren, là, il est en train de se faire attaquer par 4 millions de titans. Et non, j'exagère pas, non. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ah, quoi, trop de titans, là, c'est horrible. Parce qu'on fait que tomber, quoi, en fait. On fait que tomber, du coup, c'est grave horrible. Allez. Ouais, ah, surtout quand les titans ils bug comme ça, genre ils se retournent et tout, c'est du gros n'importe quoi. Allez, meurs, salaud. Ah, les gens, ah, ça, j'ai vraiment hâte que les cinématiques elles continuent là. J'ai hâte de voir la suite des cinématiques parce que là, ça va vraiment, vraiment être mortel. Ça va être mortel, je sens là. Allez, et j'ai hâte de voir ce que le personnage va encore faire quoi. Quel va être son rôle à jouer là dans la suite des événements Ok, nickel. On a éliminé tous les titans qui faisaient chez Eren. Et du coup, il a atteint la zone cible. Ouais. あの目方が一方的にとどめだ。エルド、なんでよ。ペトラ、早く体勢を直せ。
刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。 Et voilà, cet horrible moment. Toute l'escouade Levi qui, en quelques secondes, se fait décimer. Un par un, toute l'escouade Levi, la plus puissante escouade de toute l'humanité, qui se fait décimer. En deux temps trois mouvements. Et cette scène est juste horrible. Elle est horrible, mais d'un autre côté, la voir là en jeu vidéo, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment un moment que j'attendais depuis un moment, quoi. C'est vraiment un moment que j'avais hâte de voir parce que c'est juste magnifique, quoi. Enfin, magnifique. C'est magnifique de voir ça en jeu, mais d'un autre côté, ça reste une scène horrible, quoi. Où vraiment, ils se font tous massacrer, quoi. L'escouade Levi. Ça, c'est juste. C'est dingue. Quand tu vois ça pour la première fois, mais t'es sur le cul, mais violent. Alors ouais, non, tu vas calmer ta joie. Tout de suite, voilà. C'est pas moi ton adversaire, hein. C'est Eren. Hein. Occupe-toi d'Eren, moi je m'occupe de ta nuque. Ouais, du coup, après Eren, ouais. Eren qui dit clairement, depuis le début, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû me transformer. Je leur ai fait confiance et voilà le prix que ça coûte. Et ouais, ils sont tous morts. Bon voilà, Eren, tu fais quoi là? Eh, tu t'es victimisé là. Allez. T'as une fois de plus, hein. Être là aux côtés d'Eren. Être aux côtés d'Eren pendant que l'escouade Levi se fait décimer. C'est top. Allez. Oh putain, attends. Voilà, on la flash parce que sinon elle va faire chier. Elle a la petite musique vraiment vraiment sympa. On va se faire le boost. On va se faire un... Oh putain, un titan, il sort d'où? Non, non, va pas faire chier toi, viens pas faire chier. Hein. Je suis en train d'affronter le titan féminin là. Ouais, j'aimerais bien faire une attaque surprise. Mais ça va pas être possible. Putain, elle hurle à chaque fois là. Oh putain, attends, elle me fonce dessus. Mais moi aussi, je fonce dessus. Mais c'est moi qui l'emporte entre toi et moi. Parce que moi, je suis Kazuto Manuel. Voilà. The best soldat de tout le bataillon d'exploration. Vas-y Red, bouffe là, tu l'as dit. ないで。
Bah Eren est mort. What the fuck, qu'est-ce qu'il fout sur l'arbre lui? Regardez-moi ça. Oh. Oh cette musique. Oh cette musique. Oh cette musique, alors attends. Ça c'est une musique les gens, dans le premier jeu, mais cette musique je l'ai surkiffée. La musique du titan féminin, je l'ai adorée. Donc même si vous entendez mal ma voix, je m'en fous là, je veux cette musique. Oh là 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 là. Ah cette musique putain de merde hein. Ok du coup il faut éliminer les titans là, c'est parti avec Levi. On y va. On les démonte. Putain comme dit. Ah. Fous-moi la paix. Espèce d'enculé là. Mange tes morts. Prends là, ouais. Faut pas que je reste là-dedans. Ouais, je vais me faire attraper par tout le monde sinon. Foutez-moi la paix, on se fait tous attraper là. Fait chier. Ah bah l'autre il est mort. Lui qui est avec nous là. Ah cette musique. Elle est juste épique. Mais un truc de fou. Cette musique, la musique du titan féminin. Ah là 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 là, elle est magnifique. Comme dit, s'il faut que je fasse un top, s'il faut que je refasse un top 10 de musique que je surkiffe, je la mettrai direct. Parce que. Oh. Lâche-moi. Putain. Faut que m'attraper là. Oh. Foutez-moi la paix. J'ai pas illimité au niveau des potions de soins. Hein. Ah. Ah putain. Je prends cher, c'est un truc de fou. Et j'ai plus de flash, j'ai plus rien là. Mais ouais là, s'il faut que je refasse un top 10 des musiques que je surkiffe. Ah celle-là il s'y trouvera, hein. Ça c'est sûr et certain. Obligatoire. Parce que lui je la surkiffe, mais vu que j'ai pas joué au premier jeu, et vu que les musiques que je mets dans ces vidéos là, c'est que des musiques de jeux auxquels j'ai joué. Eh ben c'est pour ça que je l'ai pas mis dans, dans mes musiques quoi. Mais là maintenant, vu que je joue à ce jeu là et qu'il y a la musique, eh ben je vais pouvoir la mettre. Ouais vas-y Levi là, j'utilise ton bonus quand même hein. Ton combo de la mort. Et voilà, allez. Abusé à 4000 titans là. Encore 4000, c'est petit. Allez. Putain je les one shot plus hein, fait chier hein. Lâche Levi enfoiré. Alors ouais je sais que l'autre a besoin d'aide là-bas. Mais il n'y a pas vraiment le temps là. Je vais m'attaquer au titan féminin hein. Le titan féminin est en plein combat contre Mikasa. Contre un Mikasa. Ah ok super. GG la traduction hein. Contre un Mikasa hein. Putain décidément là. En plus j'ai plus de lame. Fous-moi la paix putain de merde. J'ai plus de lame, j'ai plus de gaz. Espèce d'enfoiré, je vais te démonter. C'est le te démonter là. Putain. C'est hallucinant, il y a combien là de. Ok, éminé titan féminin, vite. Il y a un timing. Alors je vais quand même me soigner. Mais non j'ai plus de potions, hein. Maintenant c'est la grosse merde. Hein. Alors franchement l'explorateur, j'en ai rien à battre de ta race. Pour une fois je laisse tomber quelqu'un. Là il faut aller des Mikasa tout de suite, j'en ai rien à foutre de toi. Toi là espèce de titan féminin de merde, lâche Eren. Allez. Oh putain attention. Allez. Faut défoncer ses parties vertes. Oh putain alors là c'est la. Par contre là c'est la grosse merde. Parce que là comme dit j'ai plus de vie. J'ai plus de vie pour me soigner. Donc c'est la grosse merde hein. Le titan féminin tente de s'enfuir. Ah vous êtes sûr? Pour moi elle veut plutôt me défoncer la gueule hein. Elle veut pas s'enfuir hein. Mikasa. Pour moi elle veut me défoncer. Oh je vais crever hein. Oh je vous dis moi je vais crever hein. Là il faut des soins d'urgence hein. Ah c'est tendu. C'est tendu mais j'ai un truc de fou hein.
Oh putain, un titan. Non, 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 fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Putain. Fous-moi la paix, je t'ai dit. Putain de merde. Ah, c'est pas des soins, ça. Comment ça? Moi, je veux des soins, moi, je m'en fous. Mais j'ai plus de soins, les mecs. Comment voulez-vous que je passe? Je n'ai plus de soins. Et Annie, elle veut me faire la peau, là. Le titan féminin. Merde, j'ai spoilé, putain. En même temps, je suis à fond dedans, là. Le temps est compté, ouais, je sais qu'il est compté le temps, ma vie aussi elle est comptée, hein. Tu sais mec, voilà. Ah non, c'est trop chaud là, c'est beaucoup trop chaud. Avec cette musique et tout là, échec de la mission, ouais, je m'en fous là, qu'à crever l'autre. Putain, ma vie là, elle est en jeu, et me font chier. Allez, bah ouais, fais-toi bouffer, c'est la vie ma meuf, hein. C'était soit toi, soit moi. Allez, Mikasa. Et maintenant, Levi, go là. On la démonte là. Allez. Allez, allez, on la démonte. Ça, elle résiste. Elle a plus aucun, elle a plus rien. Elle a plus de bras, elle a plus rien. Alors, par contre, là, les titans qui font chier, ce sont eux qui sont autour. Putain, elle hurle comme d'hab. Ah, c'est grave tendu, hein. Oh putain, oh putain. Faut qu'elle arrête de me focus, là. Putain, avec la musique et tous les gens, c'est le combat le plus épique qu'on ait fait, là, depuis le début du let's play, hein. Le combat le plus épique, le plus tendu, là, c'est grave chaud, putain. Ah, c'est grave chaud, hein. Elle, t'as plus de bras, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, merde, elle récupère ses jambes, merde. Hein. Putain, elle a récupéré ses jambes. Faut la démonter. Après ça va, elle a plus de bras. Vas-y Mikasa, on la démonte. Allez. Voilà, maintenant on la démonte. Bien joué. Oh, c'est chaud les gens. Pour eux qui ont fait le jeu, dites-moi en commentaire. Mais waouh. Eh ouais, là le titan féminin qui verse une larme, donc c'est très bizarre. Rambé, mais tu m'étonnes, tu m'étonnes, je suis victimisé là. Alors oui, j'ai spoil, en même temps, bon, je pense que voilà, je pense franchement, si aujourd'hui, vous ne savez toujours pas qui est le titan féminin, franchement, si à l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez toujours pas c'est qui, voilà, il y a quand même un problème. Mais bon, j'ai quand même spoilé, voilà, c'est ma faute. Mais j'essaierai de plus le redire. Mais voilà, ouais, là, c'était chaud, mais un truc de fou, quoi, putain. Ah, c'était violent, cette mission, hein. Oh, la vache. Alors là, c'était violent, hein. J'avais plus de potions pour me soigner, j'avais plus de flash pour empêcher le titan féminin de me focus. J'avais plus rien, franchement. Là, je me faisais déglinguer par tout le monde. Je me suis fait attraper au moins 40 fois par les titans. C'était vraiment le gros bordel, hein, sérieusement. Hein. Mais on y est arrivé, et c'est le principal.調査兵団は戦火もなく、カラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷。歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は、調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。 エルヴィンを含む責任者が
王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。Tant de sacrifices et aucun résultat. Et donc c'est bon, on est de retour en ville. J'aurais même pas utilisé le chien, hein. Le chien je l'ai utilisé aucune fois, hein. Bon, on est de retour en ville. Ok, bah nickel. Bah attendez, comme d'habitude on va aller voir le point exclamation jaune et ensuite on s'arrêtera là. Ah ça me fait quand même chier, hein. Le fait d'y penser, ça me fait quand même chier pour... pour la grosse vidéo quoi, la grosse vidéo de perdu et donc une grosse partie, enfin une bonne partie de l'histoire de perdu quoi à cause d'un record de merde. Ça me fait quand même chier, hein. Alors, donc comme vous le savez sûrement déjà, j'ai été convoqué à la capitale et les autres officiers du bataillon d'exploration. En termes de victimes, on peut dire que notre expédition a été un échec. Nous n'avons pas tout perdu. J'ai quelque chose à te dire avant de me rendre à la capitale. Viens me voir et fais venir Armin et Mikasa, et Jean aussi. Ok, ça roule. Alors il faut aller parler aux trois, donc Armin, Mikasa et Jean. Donc c'est parti, on va aller les voir, hein. Comme dit, hein, ceux-là je pense pas qu'on est à... Voilà, je pense pas qu'on a beaucoup de minutes de vidéo. En tout cas magnifique, hein. Ah, le fait d'avoir là la veste et tout de bataillon, ça fait vraiment plaisir, hein. Alors là c'est Jean, non, ah, c'est Armin. Le Major Avery veut nous voir. D'accord, merci. Super, en fait il faut juste aller leur parler. Pour qu'ils disent, ah il veut nous voir, merci. Le Major veut nous voir, compris. Très bien. Et hop, plus que Jean. Jean il va être là en mode, quoi, sérieux, moi? Le Major t'envoie me chercher? Ok, j'arrive. Voilà. Allez, c'est parti. Et du coup, non, il faut aller revoir le Major, super. Bon, au moins c'est assez RP, hein, on va dire. Hein. Le fait d'aller vraiment les voir pour leur dire qu'il veut les voir, quoi. Donc c'est parti. Ah, tout le monde est là. Bien, on dirait que tout le monde est là. Au fait, bon boulot, Kazuto. Bon, j'irai droit au but.姉ちゃんも今日はよく喋りますね。バカに、俺はもともと結構喋る。すいません、俺があの時選択を間違わなければこんなことには。言っただろう、結果は誰にもわからんと。団長、 目型の巨人と思わしき人物を見つけた。今度こそ確実に捕らえる。作戦は我々が王都に召喚される途中で通過するストヘスクで決行する。ここが最初で最後のチャンスとなる。目標をストヘスクの地下通路へと誘い込む。たとえ巨人化しても動きを封じて捕獲する。だが万が一 その前に巨人化した場合、エレン、君に頼むことになる。目標への接触はエレン、ミカサ、アルミンの3人で行い、他の兵員は市民に扮して周囲に潜伏。目標を取り押さえる。さらに万一に備え、一部の兵士は完全装備で後方に待機。目標の監視を行ってもらう。君はこちらの班に入るように。 Ah ouais, bien sûr, hein. C'est comme dit, là on va vivre vraiment la scène qu'on a vécue au tout début, les premières minutes de jeu. Et donc compris, hein.
目標はストヘスクの憲兵団に所属している。それを割り出したのはアルミンだ。女型は捕獲した2体の巨人を殺した犯人と思われ、君たち104機訓練兵の同期である可能性がある。ちょっと待ってください。104機って、その女型の巨人と思わしき女性の名は、レオンハート。Et voilà, c'est plus du spoil. Ça me fait quand même rire parce que bon, je vous ai entre guillemets, pour eux qui connaissent vraiment pas, je vous ai entre guillemets spoil avant. Et là, du coup, ils disent clairement bah, que c'est Annie, quoi. Voilà, donc, bah, c'est Annie, voilà. Il faudra qu'on se rende dans le district de Stoess pour découvrir la vérité. Préviens-moi quand tu auras fini les préparatifs. Ok, nickel. Du coup, les gens, on va se laisser là pour cette vidéo. Hein, là. Donc, la prochaine fois, on va vivre du coup ce qu'on a vécu les premières minutes de jeu. Hein, ça veut dire tenter de capturer Annie, hein, donc le titan féminin, dans le district de Stoess. Et j'espère que ça se passera bien. Donc, les gens, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore désolé vraiment pour la grosse partie, enfin, pour la petite partie, on va dire, que vous avez raté. Malheureusement, je suis vraiment désolé, mais c'est le record qui a fait chier. Et sinon, moi les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée, très bonne soirée. Ciao !